I could drag your heart out, guard it safely, touch it once in a while. Such a giant step, you lost your grip, and rocks came tumbling down. And I won't blame it on a spotlight, I guess you're really hard to see. Merde, j'ai oublié les cartons bleus sur la table de la cuisine. Oui, je sais, je les ai mis dans la malle verte. Merci. Qu'est-ce que tu ferais avec moi? Sans moi. Pourquoi sans moi? Qu'est-ce que tu ferais sans moi? C'est comme ça que ça se dit. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? There's a real old saying, monsters playing, bad news coming around. On the edge of town, a roaring rumble froze us fixed to the ground. And I won't blame it on a spotlight, I guess you're really hard to see. Monsieur Père Derrief. Cédric m'a dit que c'était toi le cuistot. C'est ça. J'espère que tu t'es amélioré. La dernière fois que t'as voulu faire une omelette, tu t'as presque mis le feu à la maison. C'est la cuisinière qui était défectueuse. T'as pas changé, Lux. Vous non plus. Monsieur Perdarieff, je vous présente Marek. Marek, monsieur Perdarieff. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Alors, t'as fait bonne route? Il a bien plu, mais ça a été. Allez, je vous laisse travailler. Il n'y a pas de lumière? Bah si, normalement. C'est par où? Je sais pas. Bonjour. Bonjour Hilda. Comme il a changé notre luxe. Vous allez bien? Ben on se tutoie plus. Oh bah si si, on se tutoie. Tu vas bien? Bien, merci. Et vous? Bah, et toi? Hilde, je te présente Marek. Marek, Hilde, c'est la maman de Véronique. Waar kom je vandaan? Van Oostende. Ah, die charme van die Oostende vrouwen. Onze luxe heeft altijd mankaat. Bon, je vous laisse. Je vais chercher le cochon. Mais oui. Comment va Globetrotter? Salut, Véro. Vous faites un très beau couple. Merci. Ça ferait une belle photo, Lux et son cochon.
T'es toujours aussi drôle, toi. Je suis contente de te voir, c'est tout. Puis c'est pas tous les jours qu'on voit un animal pareil. C'est une idée de Cédric. Et que ce soit toi qui le cuisine, c'est aussi une idée de Cédric. Tu dois être Mireille. C'est pas Mireille, c'est Marek. Ah, pardon, Marek. Les langues étrangères, ça a jamais été trop mon truc. C'est pas grave. T'es francophone, c'est ça? Bon. Allez. Je vous laisse avec votre cochon, faut que j'aille m'habiller. À tantôt. Excuse-la, c'est une chouette nana, c'est juste sa façon de fonctionner au démarrage. Lux, je sais très bien pourquoi tu es ici. Je te préviens, si tu fais la moindre connerie, je me casse. Arrête de délirer, Marek. Allez, laisse-moi passer. C'est lourd. Arrête de délirer. That's when my heart goes too fast. That's when my heart loses touch. I think about what you meant. I think about, baby, that's right, about the line you've just said. So now, sugar pie. I feel so now, baby, that's right. About the line you've just said. What's that sign? Hey, les enfants, vous allez jouer ailleurs, s'il vous plaît. Ouais, elle est trop vite, je te regarde. Tu vois? Ouais. Ok. Ça, c'est le fer. Tiens. Des gants, voilà. Viens, tes petits fours font un malheur. Ben, merci. T'es sûr qu'il y en aura assez pour tout le monde? Oh, t'inquiète, t'en auras assez, tu pourras même en manger pendant 6 mois. Ouais, ça m'étonnerait. C'est pas mon truc, le cochon. C'est Véro qui a insisté pour qu'on cuisine cet animal. Il a trouvé ça convivial. Oh, mais t'inquiète, hein. J'en mangerai. Ouais, t'as intérêt. Allez, à tantôt. Ouais, à tout à l'heure. Ça va? Ça va. Bon, tu vas te chercher de l'huile.
T'inquiète, je dirai rien à Cédric. Je crois que t'avais arrêté de fumer. Qui t'a dit ça? Cédric. Vous vous parlez? Ça se prépare, un mariage. Marek a pas apprécié ce que tu lui as dit. Elle a l'air d'avoir un caractère de cochon. C'est bien que j'ai toujours aimé les cochonnes. C'est nul, ça. C'est pas pire ton humour bidon. La perds pas. À mon avis, on en fait plus, c'est comme ça. J'ai réussi à faire le tour du monde en solo avec cette bagnole. Ça, j'ai cru comprendre. Merci pour les cartes postales. C'était vachement agréable d'apprendre par les autres où t'étais. T'as entendu ce que je viens de te dire? C'était pas évident de communiquer là-bas. C'est ça que tu cherches? J'ai une demi-douzaine de tabliers propres dans la malle. Quand je t'ai aidé pour faire le nœud. Je t'ai pas attendu pour apprendre à faire un nœud. Non. Mes amis. Mes amis, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas l'homme des grands discours, plutôt des grands silences. Mais comme l'habitude veut que le père de la mariée fasse un discours, je vais me plier volontiers à cette tradition. Alors Véronique, Cédric... Quand je dis que il a l'air sympa, Cédric. Ce n'est pas par devoir, ouais. C'est par plaisir. C'est un bon gars. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Ben, on a fait nos études ensemble. Mais la générosité et la fidélité sont vraiment deux vertus qui t'appartiennent. Alors, Cédric, Véronique, aujourd'hui, vous vous êtes dit oui? Pour le pire, pour le meilleur. C'est quand même naze, le mariage. Pourquoi? Toi, tu comptes marier un jour? La preuve en est, regarde. Toute cette assemblée qui est venue aujourd'hui, tous ces visages connus depuis tant d'années. Voilà, vive les mariés! Ok, bah, tournez-le vers moi. Sa tête, oui, parfait. Regardez par ici. Excusez. Où est la toilette? Pardon? Où est la toilette? Ah, als je binnen gaat, is het rechtdoor, dan de eerste deur naar rechts. Dank je wel. Il manque pas mal de verre, donc si t'en trouves, tu peux déjà en ramener. D'accord. Attends, j'ai pas encore mis la sauce.
Ah, merde! Oh, ça va? Mmh, ouais, ouais. Va mettre de l'eau froide. Tu veux que je t'aide? Non, ça va, c'est bon. C'est l'animal. Les invités en redemandent. C'est grâce à toi. Quoi? Le cochon, c'est ton idée, non? Pourquoi tu voulais que ce soit moi le cuistot? Je suis sûre que comme simple invité, tu serais pas venu à mon mariage. Je voulais que tu sois là. Voyageant, je me suis rendu compte que j'avais quitté ce que j'avais de plus précieux. T'as lu ça dans un bouquin? Tu m'as terriblement manqué. Vous faites un beau couple. Un garçon, on l'appellera Lux. T'es sûr que c'est une bonne idée? Et si c'est une fille, on l'appellera Marek. Non, t'es vraiment trop con. Ça a l'air d'être une chouette fille. Ouais, elle l'est. Je suis bien avec elle. Je suis contente pour toi. Als je wilt, doe ik het voor u, hè? Nee, nee, ça va. Het gaat wel gaan. Doe er niet te veel in, anders gaat het niet lukken. Je peux te parler, s'il te plaît? Je t'écoute. Heb je gevuur, alstublieft? Ja. Pas ce que tu crois. On s'est pas embrassé. Véronique voulait m'annoncer qu'ils allaient avoir un môme. Ça va pas ou quoi? Clouet de sac!
Grand-Vanier. Yo. Yo. That's when my heart goes too fast. That's when my heart loses touch. I think about what you know.